L'attitude, eh bien, c'est que le mental est l'une des clés, sinon la clé de la rencontre aujourd'hui. Oui, exactement, le mental est la clé de la rencontre. D'ailleurs, les entraîneurs ne s'y sont pas trompés, ils ont essayé tout de suite de mettre la pression sur l'autre. Patrick Duflo disant « la pression est sur eux », et puis Laurent Tilly s'appuyant sur deux victoires de 7 en championnat, disant eh « c'est 7 le favori », donc ils essaient de mettre leurs joueurs en confiance, dans tous les cas, ce soir ou demain, donc on aura un beau champion de France. Ouais, pour information, sachez que c'est Cannes qui avait terminé la saison régulière en tête, enfin troisième, juste devant l'Arago qui, pour sa part, avait terminé quatrième. On va s'intéresser au parcours en play-off maintenant avec quelques chiffres intéressants. Regardez le parcours de ces deux formations. 5 victoires, 1 défaite pour l'Arago, la défaite à l'extérieur justement. 4 victoires, 2 défaites pour la AS Cannes, dont une à domicile justement aussi. Oui, et donc il vous manque le résultat de la finale, puisque 7 s'est imposé 3-7 à 1 en finale, avec un second set d'anthologie, 32-30 pour 7, alors que Cannes a eu 4 balles de 7. Les Cannois d'ailleurs s'en veulent d'avoir raté cette fin de 7, parce que le score aurait pu s'inverser. Dans tous les cas, derrière, les Sétois se sont imposés, et maintenant, il va falloir gagner un autre match, ou pour Cannes, le premier. Oui, on va s'intéresser tout de suite à la composition du groupe qui se déplace, les Sétois, et à surveiller plus particulièrement l'un de ceux qui ont fait la pluie et le beau temps il y a quelques jours, c'est Luboš Tanek, le central meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points, Gérard. Oui, c'est vrai que c'est rare de voir un central meilleur marqueur. Donc dans le 6 de départ, identique à celui qui était présenté au Barou à 7, Konechny, Ludovic Kassar, le réceptionneur attaquant, Mathieu Labadi, le libéro, Mistoko, l'attaquant de pointe, le Brésilien. Redwitz orchestrera à la passe, Staniek, on en a déjà parlé, complété par Peter Pessel, le réceptionneur attaquant avec son numéro 15. Cette équipe est entraînée par Patrick Duclos qui est à vos côtés. Patrick, j'ai une question. Juno Mistoko disait dans la presse qu'il n'avait pas réussi à dormir. Est-ce que vous avez réussi à dormir mercredi soir? Mercredi soir, c'était très dur, mais de toute façon, ça fait 15 jours, 3 semaines que les nuits sont très très difficiles depuis qu'on a attaqué les playoffs. J'avoue qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup d'émotions et c'est vrai que c'est difficile de trouver le sommeil, mais bon, on tient sur les nerfs et ce qu'on vit, c'est tellement fabuleux que on passe au-dessus de tout ça. On parlait d'émotions, on en parlait tout à l'heure avec Gérard. C'est vrai qu'on a vu un deuxième set qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Le psychologique devrait peser beaucoup dans ce match. Mais comme dans toute finale, je pense qu'il y a beaucoup de l'aspect psychologique qui rentre en jeu. Nous, on sait que jusqu'à présent, on n'a rien lâché depuis qu'on est en play-off. On a été mis souvent en difficulté, on s'est battu. Pour l'instant, ça nous sourit, espérons que ça continuera comme ça. Mais de toute façon, il faut se battre. Une finale, il faut absolument se battre. On n'a pas le droit de lâcher, donc on va se battre et puis on verra le résultat à la fin. Eh bien, on vous souhaite un bon combat. Merci. Voilà Gérard pour cette compo de l'Arago. On va s'intéresser maintenant évidemment aux Cannois, les Cannois avec un petit changement dans le 6 de départ, l'entrée de Christophe Menaud, Gérard, et ça peut changer 2-3 trucs. Oui, effectivement, donc vous le voyez, les joueurs sont en jaune, Marchal le réceptionneur, Menaud donc qui va démarrer au contre-centre à la place de Bilodeau qui avait joué tout le match à 7. Jason Aldane, le très remonté, meilleur marqueur à 7, donc le contreur central canadien. Le numéro 8, Ragondé, le libéro. André Judéchek, le tchèque, numéro 9, va démarrer également, tout comme le passeur, le Marek. Et le réceptionneur attaquant, Barca Sizik, Laurent Tilly, l'entraîneur, est à vos côtés. Oui, Laurent, vous nous avez dit mercredi, face à l'Arago, il faut de temps en temps savoir courber le dos, laisser passer la tempête. La tempête a soufflé un peu trop fort mercredi. Il y avait Mistral. Ouais, il y avait Mistral. Est-ce que, apparemment, vos joueurs ont digéré quand même? Oui, c'est-à-dire qu'on a été assommés mercredi soir. Jeudi, on a beaucoup parlé et on est chez nous, on a une salle magnifique, des supporters magnifiques. Donc là, je crois qu'on a tout oublié et on va rentrer dedans et aller jusqu'au bout. Et l'une des données, ça restera faire durer l'échange. Faire durer l'échange et puis la clé dans le volet, c'est souvent service-réception. À retrouver la qualité de service et de réception qu'on a eu les deux premiers sets à 7. Eh bien, bonne chance. Merci. Bon. Voilà Gérard, il ne vous reste plus qu'à présenter les arbitres et cette finale retour va pouvoir débuter. Voilà les deux arbitres de la rencontre. Le premier arbitre est à gauche, très souriant, monsieur Bakouti. Le deuxième à droite, monsieur Rachard. En cas de finale d'appui, donc ces deux arbitres s'inverseraient. Ce serait Patrick Rachard qui monterait sur la chaise. Et pour ce soir, c'est monsieur Bakouti, le premier arbitre. Il ne reste plus qu'à appeler les 6 de départ. Sur le terrain, vous voyez cette salle bien remplie.
avec beaucoup de couleurs rouges. Les Canois sont plus nombreux que les Sétois, mais il y a quand même pas mal de Sétois qui ont fait le déplacement. Je pense qu'on va les entendre. Oui. Alors Gérard, vous êtes évidemment manager des équipes de France, mais aussi un ancien de l'Arago, donc il va falloir composer avec votre passion pour cette équipe et votre professionnalisme en tant que consultant. Je compte sur vous. Je vais essayer. C'est vrai que j'ai été pendant 12 ans joueur de cette équipe, puis après pendant 4 ans entraîneur. Ça s'oublie pas, mais bon, on est là pour vivre une belle finale et Cannes est une très belle équipe. Je le disais déjà au match aller, ce qui me fait plaisir aussi, c'est la réussite des entraîneurs, des anciens joueurs, Laurent Thy et Geoffrand, que j'ai eu en équipe de France, Patrick Duclos, Jean-Baptiste Marc-Luc également. Donc c'est bien pour eux qu'ils soient là et j'espère que ça va être une belle fête. Ouais, ce dont on n'a pas parlé, c'est vrai que ça fait quelques saisons simplement que Laurent Thy est entraîneur. C'est la première saison que Patrick Duclos est entraîneur et ces deux hommes, avec leurs joueurs, eh bien, jouent le titre de champion de France, joue aussi une place en Ligue des Champions. Vous parliez du rouge, les Sétois vont évoluer en blanc ce soir, les Canois en rouge. Et c'est Seth qui va débuter au service avec leur passeur, Raphaël Redwitz, le Brésilien. Premier ballon de cette finale retour, un ballon presque défendu par Mathieu Labadie, mais le premier point est canois. Alors le petit changement, on en parlait, hein, c'est l'entrée de Christophe Menot dans le 6 de départ. Alors qu'on va retrouver Philippe Parkacizic au service. Parkette, l'un des meilleurs marqueurs, 10 points. Alors que là, il vient de commettre une faute, 10 points mercredi avec 5 attaques, 3 blocs. Et deux S. Ah, il a été impérial en début de match comme tous ses coéquipiers. Après il a un petit peu baissé, mais c'est vrai que Barquette, Parkacizic, est un joueur qui peut apporter beaucoup à l'AS Cannes ce soir. Un homme qui peut apporter beaucoup aussi. Jeune homme, Ludo Castar, bien servi. Ouais, le bloc de Stanek, l'homme qui a régné en maître sur le filet. On parlait tout à l'heure de son total point, 20 points, dont 10 au contre. Oui, il a été monstrueux dans ce secteur du jeu. Et là, d'entrée, il fait le bon choix. Hein. Il va sur l'épaule gauche de Menot. Et contre Christophe Menot. Castar. Schalke à la réception. Il est check, c'est défendu. Non. Point donné aux Canois pour égaliser à 2 points partout. Ouais, avec un filet de Pico Pessel sifflé par Patrick Rachard. Qui était notre représentant français en ce qui concerne les arbitres à Athènes l'été dernier lors des Jeux Olympiques. Et un ace pour Christophe Menot qui, avec son service tennis flottant, a trompé Mathieu Labadie. Voyez ce ballon dehors et qui finalement était dans les limites du terrain. Mistoko, voilà. C'est sûr que si Mistoko est tout seul à un contre un, regardez. Il a de la hauteur, donc il a beaucoup d'angle et beaucoup de puissance. Oui, Gérard, on vient de voir les trois principaux artisans de la victoire mercredi, hein, c'est-à-dire le passeur Redwitz, l'homme qui va servir Stanek au bloc et puis Mistoko en attaque. Schalke. Ouais, c'est bien pour Marschalk. Marschalk, auteur de 9 points, 9 attaques mercredi. Et qui déclarait dans la presse être très heureux de l'ambiance. De cette série finale, l'ambiance au Barou et l'ambiance ici à Cannes. Boudetchek. Pico Pessel. L'attaque au poste 4 qui fait mouche. Ouais, la balle était très rapide et pourtant on a vu Jason Aldane partir très vite sur l'aile pour aider le Marek au contre. Jason Aldane que vous avez vu ce matin très très motivé, très remonté à l'entraînement. C'est vrai que le Canadien a très envie d'emmener cette finale demain pour un match d'appui. Mistoko. Trop long, ouais, pour Mistoko. C'était pas le bon moment pour se remettre le lacet en place. Non. Ça équivaut à un temps mort. C'est vrai, c'est des petits détails
font que ben après, derrière, on est en difficulté sur le service. Louis, ballon défendu. Ragondet qui va ramener, Udechek qui va pouvoir attaquer. Mistoko, Redwitz, oh Udechek. Oui, le ballon qui n'a pas franchi le filet. Dommage parce que là, les Canons avaient une belle possibilité de se créer un premier break. Ouais, on a vu un bon soutien de Ragondet également du côté de Cannes, preuve qu'ils sont présents. C'est ce que demandait Laurenti mercredi soir à 7. On peut se faire contrer, mais on peut aussi relever les ballons. Et c'est ce qu'avait fait Ragondet sur cette action. Pico Pessel. Kassizik, ballon freiné. Redwitz. Castar s'est freiné aussi. Ragondet, Udechek qui va pouvoir attaquer. Superbe attaque d'Andrei Udechek. Ouais, ballon bien freiné par le contre, puis la défense canoise pour donner cette relance à Udechek. Et regardez, le Tchèque passe entre les deux contreurs. Et fait le point pour Cannes. Udechek, 10 points, 9 attaques, 1 bloc mercredi. Alors qu'on va retrouver Jason Alden, le Canadien. C'est bien servi ça. Redwitz. Castar, ouais, belle attaque de Ludovic Castar. 6 partout. C'est un petit peu tendu quand même, hein, parce qu'on voit les visages, personne ne se lâche ni d'un côté ni de l'autre. À un détail près, Gérard, c'est vrai que les Canois ont déjà utilisé leur joker. Ce n'est pas le cas de l'Arago. Kassizik, ouais. Ouais, qui attaque beaucoup trop long. Et par rapport à ce que vous disiez sur le joker, c'est vrai que maintenant Cannes joue une fois ou deux fois à la maison, mais c'est quand même, ça reste un avantage quand même. C'est plus sécurisant de jouer chez soi. Et donc dans tous les cas, les Canois espéraient sur ce match à domicile pour revenir dans la course au titre. Vous parliez des Sétois, il y a quand même une belle délégation sétoise qui a fait le déplacement. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés en voiture, on avait l'impression que vous étiez le pape, ovationné par les supporters sétois qui nous saluaient. On va en profiter pour dire bonjour à ceux qui sont à la salle. Exactement. Brassens à 7, puisqu'il y a un écran géant là-bas et tous les supporters qui n'ont pas pu faire le déplacement sont là-bas. On les salue. Tout comme on salue cette attaque de Staniek qui lui amène les Sétois en tête au premier temps mort. Oui, ils ont bien inversé la tendance alors qu'on va pouvoir écouter les arbitres et éventuellement profiter des cheerleaders canoises. Là on part, essayez de vous l'arrêter. Et toi voilà, si toi tu le vois, parce qu'il y a, on est bien passé, si vous permettez. Non, la balle est à l'intérieur, il est à côté de la balle. D'accord ? Hein ? Ça va, mais si toi tu le vois, tu t'arrêtes. Ok, tu bloques toi. On a dit qu'on laissait des espaces de quoi. Allez. On a vu Laurenti parler de la vitesse de passe du passeur. Je pense pas que ce soit de celle-là qu'il parlait. Il parlait de la balle avant qu'avait eu Ludovic Castar. En disant que sur ces balles très accélérées, ben à un moment donné, il fallait présenter un bloc homogène, même s'il y a des espaces solides en face de l'attaquant, là où on est. Le contre qui a été la clé du match pour les Sétois, ben Laurent Tilly aimerait bien qu'elle le soit pour les Canois, ici, dans le Palais des Sports, en plein Henri. Alors, Raphaël Redwitz, un passeur très offensif, on vous en parlait. 5 points, une attaque et 4 aces tout de même, mercredi. Très bon serveur, hein, la preuve. Oh, l'enchaînement derrière avec Christophe Melot. Superbe travail aussi de Loïc Lemarec, hein, parce qu'il faut aller le chercher ce ballon, il n'est pas facile à négocier à la passe. La réception elle est très vite, il est allé chercher à une main très haute et a bien servi Christophe Melot. Barca Sizik. Raphaël Redwitz. Ouais, bel enchaînement aussi. Et Redwitz, il est chaud bouillant. Hein. Dès qu'il fait un point, il nous fait un petit pas de danse. Il n'est pas loin du saut périlleux arrière. Enfin, il ne veut pas prendre trop de risques, hein, parce qu'on n'est qu'au tout début de ce match retour. Ludo Castar au service. 7 qui mène d'un point. Ouais, trop long. On en parlait aussi mercredi, hein, le total de fautes directes. Attention,
d'un côté comme de l'autre. Oui, il y en avait beaucoup plus dès ces tours au départ. Et finalement, sur la fin du match aller, ce sont les canons à la fin qui avancent beaucoup plus. Belouit, de l'autre côté pour Pessel, Menot. Et oui, l'enchaînement, c'est pas fini. Superbe défense de Philippe Barkacizic. Belouit encore. Pour Pessel, il s'y est repris à deux fois, Picot. Mais a trouvé la solution. Mais superbe défense de Philippe Barkacizic et beau travail, hein, belle solidarité côté canon. Même si là, il n'y a plus grand chose à faire. Staniek avec la bande. Le Marek, Aldein. Ça fait 2-3 fois hein, que Loïc Le Marek passe au centre avec des passes tendues assez courtes. Ah, la réception est bonne, hein. Les Sétois avaient raté le service précédent, ils ont un petit peu plus assuré pour ne pas casser la continuité. Et Kahn s'est appuyé sur le jeu rapide. Andrei Udelček, il a pris beaucoup d'élan. Loïc. La pipe de Castard, superbe. Elle est belle, elle est rapide, elle est haute, elle est puissante. Le contreur canois qui s'était engagé sur la fixation n'a pas pu revenir sur Ludovic Castard. Mistoko, oh, c'est bien servi de la part de Junot là. Ah, quand il refait pas le lacet, ça va mieux. Hein. Bah, il l'a fait, ça y est, ça devrait tenir. Et je pense qu'il a fait un double nœud. Junot. Alors, je regarde ses chaussures, le lacet de la chaussure droite est un peu long encore. Hein. Il va falloir qu'en équipe de France, je fasse une révision de lassage de chaussures. Ou de la longueur des lacets, Gérard. C'est au choix. Ou des deux. Allez, on a vu une superbe pipe tout à l'heure côté 7. Et bien, voici quasiment la même côté Cam avec les Quanois qui vont revenir à un point. 11-12, ce qui fait tourner la tête à nos caméras. Marchalk. Allez, la première main de Radwitz. Malin, le Brésilien. Ah, il a profité de la bonne réception et surtout du très bon appel de Konechny. Aldan était vraiment concentré sur le joueur, l'attaquant en balle rapide. Petr Pessel, le seul champion de France en titre présent ce soir. Cassidy qui n'a pas vraiment pu attaquer, possibilité de relance côté 7 avec Ludo Castard, mais qui attaque trop long, trop loin. Et le point pour la SCAN. Il a forcé un petit peu son attaque Ludo Castard et il a fait la faute directe. Jason Alden, attention, ça peut frapper fort. Fort, oui, un peu trop. Eric Carson, le président de Cannes, à l'entraînement ce matin, me disait que c'est incroyable. Quand il voit Jason Aldan servir à l'entraînement et quand il le voit en match, il ne le reconnaît pas. Il dit, l'entraînement, c'est monstrueux ce qu'il fait. Moi, je vous raconte une petite anecdote après cet échange sur le président de Cannes également. Ah ouais, là, c'est moins fort, mais c'est très, très bien placé ouais, de la part de Konechny. Petr Konechny, 10 points mercredi, 4 attaques, 5 blocs et un ace. Et un temps mort. Je vous raconterai ma petite histoire après le temps mort. C'est quand vous voulez, mais on compte sur vous, Gérard. Décale un petit peu. Pascal, tu as plus de place tout seul là-bas, d'accord? On va renforcer les lignes en réception, d'accord? Ok. Voilà, donc cette semaine, Eric Carson avait promis que s'ils étaient en finale, ils feraient un entraînement en défense. Et il y a un exercice qu'on appelle défense suicide, on met un joueur dans les 3 mètres et on met un attaquant sur une table de l'autre côté. Et un caddie de ballon, on l'attaque et le gars doit défendre. Eric Carson s'y est mis, il a pas mal défendu, mais à la fin il avait un bleu du coude jusqu'à la main. Et donc il en a encore les traces aujourd'hui. Avec le soleil de Cannes sous le bronzage, ça joue à moins. Allez, on reprend le jeu. Attention, Larago a pris 2 longueurs maintenant grâce à cette attaque d'Udecek. Andrei Udecek, le gaucher canois.
sa deuxième saison. Alors que vous avez aperçu le visage de Juno Mistoko, c'est Loïc Lemarec, le capitaine de Cannes, qui est au service. Redwitz, Castar. Et pour l'instant, vous avez parlé de Juno Mistoko, les Sétois s'en sont très peu servis. C'est vrai, Ludovic Castar, en revanche, est plutôt à son avantage. Mais c'est aussi la force de Cesse, hein, c'est de pouvoir focaliser l'attention des défenseurs sur quelques joueurs et puis ensuite de basculer sur d'autres. Là, il fait ça, il a les épaules complètement dirigées vers là. Hein. À ce moment-là, tu te décales un peu. Hein. Et là, c'était bien placé, hein. c'est lui qui l'a bien placé. Oui, oui, super bien. Jean-Baptiste Marzouf qui s'occupe du secteur défensif, c'est-à-dire du contre. C'est ce qu'il fera également avec Philippe Blain, l'équipe de France. Si on perd du pont, c'est fini. C'est bien, vous étiez bien, mais c'est des classes. Et vous voyez, l'Europe, c'est ça, tout le monde parle français. Les Tchèques et les autres. Comme quoi, l'Europe, ça marche. Raphaël Redwitz. Le Brésilien, lui, n'est pas encore européen. 24 ans, il évoluait en Andorre la saison dernière. Ah oui, Gérard, on se doutait que ça allait modifier un petit peu, mais c'est vrai que Christophe Menaud, et c'est combien, 37 36 ans. 36, bientôt 37 ans. Ouais. Toujours à la pointe, façon de parler, il est au centre. Problème de réception là, côté Arago. Ballon rendu au Canois. À Gondé. Le Marek et Philippe Arkasidic pour permettre à l'AS Cannes de revenir à une petite longueur simplement. L'AS Cannes qui comptait 3 points de retard il y a encore quelques instants. Ouais, et revenir par le service puisque la réception cette fois n'était pas bonne. Et le serveur c'est Philippe Arkasidic. Redwitz. Ouais, très, très bien joué de la part de Ludovic Castar. Hein. La passe n'était pas parfaite. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en l'air? Il a attendu un petit peu. Il a contrôlé son attaque et il l'a déposé dans le camp canois. Beau métier, monsieur Ludovic Castar. Ouais, tout à fait à son match. Très précis, très concentré. On va le retrouver au service. Et là, il ne manque que quelques centimètres pour 7. Ouais, il avait essayé de modifier son service en servant tennis flottant. Et le service est un tout petit peu long. Alors attention, Gérard, parce qu'on arrive dans cette fin de première manche. Petit point d'écart simplement entre les deux formations. Avec Stanek qui se rappelle au bon souvenir des défenseurs canois. Ouais, et Jason Aldan qui n'arrive pas pour l'instant à... Il doit être en train de réfléchir un petit peu ce qu'il a à faire pour anticiper du bon côté. Et pour ça, il n'y est pas arrivé. Mais bon, le plus important reste à venir puisque vous alliez le dire, le Money Time arrive. Hein. Exactement. Stanek. Le Marek. Des tchèques contrés. Bon réflexe derrière. Et Alden qui rend ce ballon au joueur de l'Arago. Et belle attaque de Juno Mistoko. Et oui, ballon touché. Ah, c'est un point important, Gérard, parce que c'est un point pour mener 19-16. Cela aurait pu faire 17-18. Daniek. Schalk. Le Marek. Schalk encore, ballon freiné. Redwitz pour Pessel. C'est défendu. Schalk contré, block-out. Ils s'en sortent pas trop mal là, les Canois sur ce coup-là parce que... Oui, ils avaient la balle de 26, les Sétois à l'attaque avec une belle possibilité, mais le contre canois a bien réagi. Alors, 17-19, 2 points de retard pour les hommes en rouge et blanc. Au service, Andrei Udetchek. Redwitz, le réflexe, Labadi. Et le bloc à 3 sur Mistoko. Il est précieux pour les Canois ce bloc. Ah, ils étaient bien homogènes, bien orientés, regardez. C'est vrai qu'il n'y avait que cette passe possible. Juno Mistoko qui ne prend pas assez de hauteur et qui donc se fait attraper. Alors, de nouveau, simplement un petit point d'écart, 18-19.
service à Escan. Ballon rendu. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est l'échange le plus improbable de cette finale. Étrange échange alors que on a pensé un moment que les Canois avaient égalisé à 19 partout. Eh bien, regardez. Le bon contre de Juno Mistoko, bien placé en face de Marshall. C'est vrai que l'échange était à l'avantage des Canois. Hein. Allez, c'est incroyable. Retournement de situation. Juno Mistoko au service. Allez, un point d'écart simplement. On se rappelle tout de même que le deuxième set, vous en parliez tout à l'heure, c'est conclu à 32-30, hein, mercredi lors du match aller. Oh, Marshall, un peu long. Ah ouais. Ah, il veut mettre de la vitesse dans la balle pour gêner les réceptionneurs, mais il faut arriver à donner également un peu d'inclinaison à la trajectoire pour qu'il rentre dans le terrain. 21-19. Alors qu'on a procédé à un changement et l'entrée de Bertrand Carletti. Voilà, et c'est 2m05 pour amener un peu plus de hauteur au contre ses toits. Copessel au service pour la gauche. Très court. Agondé, le Marek pour Udetchek. Udetchek là. Il a un peu lâché son attaque. Ouais. Ah, c'est pas vraiment le meilleur moment pour la Escan. Ouais, le service de Pessel était bon hein, parce que très court, il a obligé le réceptionneur canois à plonger pour réceptionner. Derrière, le Marek était un petit peu en difficulté. Preuve une nouvelle fois, hein, Gérard, que ça se joue sur quelques détails. On a 22-20, d'accord. Donc après, on revient. Essayez de vous aligner plutôt sur les fixes, pas à décoller. Vous alignez et vous partez après, d'accord. Ok. On est propre là, on est propre. Maintenant. Les choix de fin de set de Laurent Tilly. Faire semblant de jouer les fixes et puis de contrer les fixes. C'est la fixation, hein, la balle rapide. Et puis aller faire un bloc homogène à l'aile. Donc il doit penser que Red Wicks va s'appuyer sur ses bouts de filet pour cette fin de set. Et on va voir ça. Exactement. Pestel. Marc Assisic. Là, Jason Alden qui est un peu sous son ballon. Ouais, un petit peu forcé la fixation. Ouais. Et donc l'attaque est dehors. Avantage, l'avantage le plus important, Gérard, plus 4 pour l'Arago. Pico Pessel, ah oui. Oh, c'est un ace. Ouh. Ah oui, elle est... Ah, si jamais David Coignard peut nous proposer un ralenti, regardez. Ah, sur celui-là, là, ça sera difficile. Pas. En tout cas, 20-23. Les Canois dans une position non désespérée, mais plutôt inconfortable. Alden qui a assuré ce service. Oh, et la Konechny qui attaque dans le filet. Et temps mort demandé par Patrick Duflo, il l'a compris, il y a un peu de flottement là depuis quelques instants, depuis le service côté Arago. On fait la même chose, là, s'il balance une bombe comme ça, on essaye de la garder un peu, ah, et on essaye de se promener en derrière, hein. On y pense. Hein. Et le soutien, passez-le là. Ce point là les gars, à fond dans le soutien les gars, sur nos difficultés, à fond, hein. Pas seulement dans le geste, dans l'envie, hein. Ok. Allez. De l'envie et encore de l'envie. Alors Jason Alden. Alouit. Castard. Ouais, on en parlait, hein, Ludovic Castard, de son travail lors de cette première manche. Belle attaque sur la ligne avec une balle bien débordée par la passe de Raphaël Redwitz. Première sous la pression. Oui, première balle de set. Balle de première manche pour l'Arago.
avec Petr Konechny au service. Philippe Bartosz-Cizik à la réception, à l'attaque avec son bras toujours aussi rapide. On l'a très peu vu hein, en attaque, Philippe Bartosz-Cizik, depuis le début de cette finale retour. Et là, c'est superbe. Deux attaquants côté sétois, Stanek au centre, Kastar à l'aile gauche et puis éventuellement Bistoko. Service de Marek, deuxième balle de set pour l'Arago. Kastar s'est freiné, ah, et c'est le point. Et l'Arago de 7 qui s'impose lors de cette première manche. On s'en rappelle, Kahn avait empoché la première manche à 7. Cette fois, c'est 7 qui empoche la première manche à Kahn. Pour la suite, eh ben, il va falloir rester avec nous parce voilà. Qu'on n'en a aucune idée. La seule idée dont on peut vous parler, c'est que c'est une finale passionnante et très, très disputée et donc très, très indécise. Voilà, on fait un petit tour par Paris, on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Préparez votre retraite avec GAN, c'est réaliser vos rêves, aujourd'hui et demain. C'est mener à bien vos projets, dès maintenant et pour longtemps. C'est profiter de la vie, à chaque instant. Projet Retraite GAN, prévoir demain et vivre aujourd'hui. GAN, c'est avec l'esprit libre qu'on avance. Nouveau monospace Toyota Corolla Verso, prenez la vie côté Verso. Et pour tout achat d'une Corolla Verso Essence, profitez du pack DVD pour 1 euro de plus. L'entreprise qui a posé le premier pneu sur la Lune, qui a créé le premier pneu roulant 1000 km/h, vous offre aujourd'hui un nouveau pneu résistant aux crevaisons. Découvrez Renault Flat de Goodyear, l'innovation qui change la vie. Championnat de France, qui sera le champion 2005, qui pour succéder au TVB, au Tour Volleyball, eh bien pour l'instant avantage à l'Arago qui a remporté la finale aller et qui vient de remporter le premier set. Vous allez d'ailleurs tout de suite découvrir les statistiques, Gérard. Oui, pour constater, vous voyez, le nombre d'attaques, 14, ça veut dire que les Sétois prennent davantage de ballons ou défendent davantage. Au niveau des contres, c'est pas bon. Hein. Ils ont deux contres, c'est pas 7. Parce que sinon, ça ferait beaucoup. Donc, c'est deux contres de part et d'autre. Donc, c'est pour l'instant, vous avez vu, les erreurs sont équilibrées. Donc, c'est au niveau du contre, défense, que les Sétois, pour l'instant, ont pris le meilleur sur Kahn. Alors, attention, parce que la pression monte pour les Canois. Ouais, avec Bistoko qui mord en mettant le pied sur la ligne pour cette première attaque. Début du deuxième set, le premier point pour l'AS Kahn. A noter que les Canoises championnes de France, en tout cas certaines, hein, championnes de France pour la huitième fois, sont ici pour encourager leurs homologues masculins. Les Canois qui rêvaient d'un doublé l'année dernière, mais barrés par tour et qui rêvent toujours d'un doublé. Championnat de France féminin, championnat de France masculin. Cette année, mais il y a un obstacle de taille pour l'instant qui s'appelle 7. Helwitz.
le Marek. On joue vite avec Christophe Menot. Avantage, petit avantage à la SCAN, 2-1. On va retrouver Philippe Barkacizic. Thunder shoulder, l'épaule du tonnerre. Castar. Ah, toujours une bonne hauteur d'intervention, ça fait qu'en jouant le haut des mains, il ne prend pas trop de risques et c'est le point pratiquement à tous les coups. Hein. C'est vrai que les Canois ont beaucoup de difficultés à gérer Ludovic Castar. Hein. Meilleur marqueur avec Mistoko pour l'équipe de 7, 5 points chacun. Castagnac est à 3 points. Castar, Mistoko, la force de frappe de l'Arago. Un petit peu l'avance pour la SCAN. Christophe Menot, Kessel, Redwitz, ouh, du bout des doigts Staniek, Schalk, belle attaque de Marschalk, profonde. Ouais, il a dû passer entre les deux comptoirs cette fois, sur cette belle passe de Lemarek, voilà. Staniek qui avait un peu trop fermé l'intérieur, ça le fait sourire, et donc il a laissé la porte plutôt entrouverte. Et il en profite. Mistoko, la puissance de jouer Mistoko sur ce ballon qui est freiné. Lubos Staniek. Lemarek. Salte encore au-dessus. Et Pico Pessel là qui est allé alors que Ludo Castar voulait y aller aussi, mais il a fallu réagir en un dixième de seconde. Je pense que c'était plus à Ludo Castar d'aller la chercher que compte tenu de sa position. Peu importe. 5-3. Toujours un petit break d'avance pour la SCAN avec Udechek au service. Alors Juno Mistoko. Avec la bande du filet. Bloqué. Schalk, ballon freiné. Mais faute au fil côté Arago et le point donné. Joueurs de l'ASCAN. Oui, qui maintiennent leur petit break d'avance, 2 points. Ouais, super de défense de Marshall. C'est seul au-dessus. Il y a du soutien. Le Marek. Schalk aux 3 mètres. Castar, belle défense. Mistoko, ah, trop long à l'attaque de Gino Mistoko, mais superbe échange. Hein. Ouais, une belle défense des deux côtés et puis un très très beau sauvetage des Canois. Mistoko, la balle n'est pas facile à attaquer, mais le ballon dehors. Le break s'agrandit 3 points. Tout ça sous le regard expert d'Alain Fabiani. Ouais, Konechny. Toujours un petit break d'avance pour les Canois qui ont évidemment l'intention d'égaliser à une manche partout. Copé seul. Réception difficile pour Philippe Barkacizic, Udechek. Barkacizic, le Marek. Ah, pour Jason Aldane. Oh, ça c'est encore semi-miraculeux, Gérard. Ouais. Un petit peu gourmand, rappelle Redwitz, il a vu ce ballon traîner au filet, mais Barkacizic était attentif et donc il a contré le passeur sétois. Oui, parce que Jason a essayé d'attaquer ce ballon, mais il n'a pas pu, oui, non, pas très bon. Mais il y avait continuité de jeu. Tout à l'heure, tu es arrivé trop tôt, là aussi tu te précipites, t'as le pas, on remet, ça tu vois. Fois
faute de fils sur balle de contre-attaque. Hein, et là encore, on a une occasion de point. Donc il n'y a pas le feu. Mais on avait. Hein, mais il faut que nous, on passe un tout petit cap là. Hein, on remette un tout petit peu de pression. Il faut qu'on calme le jeu là. On va vite, 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 vite. Ils sont dans une bonne période. Il faut que nous, on calme, tranquille et on s'affole pas, les gars. Dans le temps, là. Regardez pas alors, on les gars, reviendra on point par point, tranquille. Allez. Ils ont essayé de sécuriser ces joueurs. Il n'y a pas le feu, dit Patrick Duflot, mais si on pouvait remettre un tout petit peu de pression, ce serait apprécié. C'est vrai que les Canois jouent très bien en ce moment. Alors qu'on va retrouver Jason Haldane qui débarque à Sisi. Castin en réception, Redwitz. Ah, c'était bien fait, mais c'est superbement fait de la part de l'attaquant sétois. Et pourtant, Philippe Barkasizic était bien placé. Hein. Oui, mais pas assez collé au filet, parce qu'on a vu une superbe contre lève. Christophe Menot. Alors le score, vous le découvrez, 9-6, toujours plus 3. Loïc Lemarec. Un petit peu long. Un petit peu gourmand, Loïc. Ah, il y a beaucoup moins d'erreurs au service qu'au match aller. Hein. Il y a eu au premier set 5 fautes des Sétois, 3 fautes des Canois. Raphaël Redwitz. Le Marek. L'échec, ballon frappé. Et c'est toi qui vont le ramener avec Castar. Ah oui! Superbe travail là. Superbe travail défensif. Sauvetage après ce contre-touché. Regardez, Pessel au départ. Redwitz qui relance. Et là, un petit peu la même action d'ailleurs hein, de l'autre côté, mais un petit peu court. Ouais. Mais là des canons un petit peu trop courts. Et 7 qui revient à un petit point. Kahn qui a toujours l'avantage, mais c'est Redwitz qui va servir. Redwitz qui demandait un petit coup de serpillière. Il faut dire qu'il a fait très chaud au Barou, Gérard. Il fait très chaud ici au Palais des Sports, André Henry. Hein. C'est l'été. Ballon rendu directement, c'est toi, Redwitz. Stanek, ah oui, attention. Attention, danger pour Kahn. Les Canois qui menaient de 3 longueurs, 9-6 il y a quelques instants, et qui viennent d'encaisser un 3-0. Ouais, avec de très très bons services de Redwitz. Et ça continue. Avec la bande du filet cette fois. Le Marek derrière lui pour Philippe Barkasizic. Alors, messieurs les arbitres donnent le ballon touché apparemment. Bon, je crois qu'il a signalé une faute de filet, Patrick Rachard. Donc on va procéder à un changement, on en parlait. Changement pour l'instant, un tchèque remplace un autre tchèque puisque c'est Novotny qui va venir suppléer Oudet Cech. Marek Novotny qu'on avait très peu vu lors de la finale année puisqu'il n'avait marqué que 3 points. Allez, beau service de Barkasizic, réception directe de l'autre côté. Kahn qui reprend son petit break d'avance. Ouais, j'étais un peu sévère avec Novotny. En fait, il en avait marqué 10. C'est vrai qu'il n'avait pas débuté la rencontre, mais que il avait quand même réussi à marquer 10 points, 10 attaques. Marek Novotny. Oh oui, l'ace de Philippe Barkasizic qui arrive au bon moment pour les Canois pour le redonner de l'élan. Ouais, très bien servi, hein. Il sentait que Castar, en ayant raté sa première réception, était un petit peu sous pression. Et donc en resservant entre les deux,
Il a perturbé la réception sétoise. Et ça fait pas plaisir à Patrick Duflo, évidemment. Bon service. Ah, et tout ça, il va essayer de le viser. Il va essayer de le viser au maximum. Ah, donc tu le sais, tu t'appliques d'abord sur la récepte et après tu enchaîneras. Ah, si tu peux pas y aller à l'attaque, parce qu'on aura pas, il le verra et on le débrouillera. D'accord ? D'abord la récepte. Ouais, Patrick Duflo qui redit à son joueur Castard, ils vont te viser en réception. C'est vrai que comme Castard doit enchaîner réception et attaque, c'est bien joué tactiquement de servir sur lui, ce qu'a fait deux fois Philippe Barca Sisyphe. Marquette qu'on retrouve au service, le voici. Philippe Barca Sisyphe qui va être ravi des nouveaux maillots de l'équipe de France sans manches, parce que comme vous l'avez vu, les manches, ça le gêne plus qu'autre chose. Et à ce propos, pour ceux qui ont vu les nouveaux maillots de l'équipe de France féminine sur Eurosport hier avant-hier, sont très jolis aussi. Ouais, belle entrée de Marek Novotný là. Ouais, une affaire de tchèque, Novotný à l'attaque, Pezel Staniek au contre côté sétois. Mais un petit espace dans lequel s'est faufilé Marek Novotný, regardez. On avait identifié au moins un échange 100% tchèque lors de la finale aller. Dommage, il s'en est fallu de très très peu pour les Canois, tant mieux pour les Sétois. Deux points d'écart, 13-11. Le visage concentré des joueurs de l'Arago. On va retrouver, on parlait des Tchèques, on va retrouver cet homme. Gauche Stanek. Le Marek. Novotný. Et Novotný avec son bras gauche, il trouve des angles très intéressants au poste 2. Hein. Ah, il apporte une bonne dynamique côté canois. Regardez, il passe bien à l'intérieur, même si Mistoko défend ce ballon. Regardez ce superbe ralenti. Ouais. Novotný. Et seul, bloqué. Labadi. Oui, Reilwitz rapidement pour Konechny. Et les joueurs de l'Arago qui restent à portée. Simplement deux petits points de retard. Difficile hein, d'aller faire quelque chose après le service de Juno Mistoko. Dans tous les cas, Loïc Lemarec n'a pas pu redresser ce ballon réceptionné. Donc c'est un point pour le Sétois. Alors, un point d'écart simplement. Mistoko. Dans le fil. 15-13 pour la SCAN. Avec Marshall de dos au service, le numéro 3. Service flottant. Ouais, belle attaque de Juno Mistoko, là, qui s'est rattrapé exactement. Ah, il allait très vite sur sa course d'élan, et puis le ballon est allé très vite aussi. Mistoko, c'est exactement ça, c'est un lance-missile. Le Marek. L'attaque de Alden défendue. Ouais, oui, ils s'en sortent très très bien là, les Sétois. Et beaucoup de frustration dans le camp canois, notamment pour Jason Alden, cet homme, parce que il avait une balle d'attaque pour mener 16-14. Ouais, et tout le travail de Labadi en défense, hein, le libéro sétois. Comme un fou Louis, parce que pour remettre immédiatement Alden en confiance, on voulait lui donner ce ballon, une attaque au centre, et Redwitz a senti le coup venir, il s'est mis juste en face. Oui, là, parce que tactiquement, ils avaient dit, bon, comme Alden vient de rater, ils vont jouer à l'aile, donc ils ont mis les deux grands à l'aile, le passeur au centre, en lui disant, tu vas sauter sur Alden, et Redwitz a quand même réussi. On commence à les ralentir, Rogel, on est bien. Ok, allez, venez là, debout, les gars, debout, vache, on pousse. Regardez, on revoit le contre de Redwitz
main droite. Tout seul au milieu sur Jason Aldana. Il écarte les bras. Et regardez. Et la glissade du Brésilien. Folie brésilienne. Regardez, il saute en écartant les bras. Oh, c'est main gauche en fait. Et Pierre Coquan qui regarde ça de son œil acéré. Fin du deuxième temps mort technique, alors que Kahn a quasiment mené de bout en bout. Bien, les Sétois sont en train de reprendre l'avantage, mais il ne faudrait pas oublier Marek Novotny qui, depuis son entrée, a fait beaucoup de bien à la SCAN. Et Barkacizi qui a un très très bon passage en réception, parce que si les Canois visent Castard, les Sétois visent Barkacizi, et Barkacizi là, il vient d'amener pas mal de bonnes réceptions. C'est bien servi ça. Mais Seth va pouvoir jouer. Alors, que disent les arbitres? Point pour l'Arago. Là encore, beaucoup de frustration parce que les Canois ont l'avantage de l'échange. En tout cas, Ludovic Castard se font nuage depuis le début de cette finale retour. Konechny. Le Marek. Philippe Barkacizic s'est freiné. Possibilité de relance. Et avec Lubo Štanek qui vient d'enfoncer un clou phénoménal dans le bloc canois. Et regardez, le supporter sétois. Ah, il était dans le dos de Redwitz, il a appelé de la voix. Redwitz l'y a donné. Il y a une grande confiance et une grande complicité entre ces deux joueurs. Petit break pour les Sétois, 2 points d'avance. Attention, danger pour la SCAN. Regardez cette attaque incroyable de Saniek. Les regards des Canoises, des superbes Canoises, championnes de France pour la 8e fois. Ce qui doit faire très plaisir à Annie Courtade, évidemment. Ouais, le bloc de 7, c'est compliqué là, très compliqué pour les Canois. Oui, c'est encore Redwitz. Encore Redwitz avec son 1m91. Ouais, regardez, il est tout seul à l'aile contre Barkacizic. Il venait de contrer Alden. Il venait de contrer Alden au centre et contre Barkacizic à l'aile. 3 points d'avance pour les Sétois. 19-16 et un changement côté ASCAN avec l'entrée de Gaël Vandal. 2m01. Le Marek. Novotny. Ballon qui va revenir. Non, tout de même pas. À noter tout de même qu'il faut avoir vraiment les nerfs très très solides côté canois, parce que là ils ont mené quasiment de bout en bout lors de ce deuxième set, et là eh bien au meilleur des moments pour les joueurs de l'Arago, les Sétois ont trouvé la solution. Ah, c'est bien servi là, de la part de Lemarec. Oh, le bloc derrière Staniek. Non, c'est pas Redwitz, c'est Staniek. Le contre, c'est toi qui continue, je veux dire, sur la lancée du match aller. C'est dans ce secteur de jeu qu'ils avaient remporté la finale aller. Et là, regardez, Staniek qui s'oppose à Gaël Vandal. À chaque fois que les Canois ont l'occasion de revenir, il y a un Sétois pour faire un bloc. Novotny, cette fois, l'attaque ne sera pas bloquée. Mais une partie du mal est fait. Ah, il a un superbe bras de l'OVNI. Pourtant, à l'aile gauche, c'est difficile pour un gaucher. Mais il arrive à bien croiser ses ballons. Money time. Gaël Vandal au service. Aïe. C'est compliqué pour Vandal qui n'est rentré que depuis quelques minutes. À peine quelques minutes. Plus 3.
pour l'Arago, 21-18 avec Ludo Castard au service. Ludo Castard impérial pour l'instant. Trop long ce service. Ouais, c'est curieux parce que tactiquement les canois sont sous pression, hein, donc il faudrait les faire jouer. Et c'est les Sétois qui font la faute dans un moment aussi important en fin de set. Nono. Fessel, Redwitz. La pipe de Castard. Il y a beaucoup de variété quand même, hein, parce qu'il y avait Stanier qui pouvait attaquer, il y avait Castard derrière, il y avait plutôt Fessel à l'aile. Donc les contreurs, vous voyez, il arrive en catastrophe au contre. Et donc les Sétois qui mènent 22 à 19. Attention. Hugo Stanek, monstrueux depuis... vous avez trop parlé. Oui, oui. Mais quand même, hein, monstrueux quand même, Gérard. Ah oui, oui, on va pas bien vouloir pour ces services ratés. Et ça fait deux services ratés de suite. Pour les Sétois à un moment où les canons étaient sous pression. Mais toujours une petite marge pour l'Arago. Ouais, ça, c'est... Novotny qui sert dehors aussi. Il imite un petit peu ses amis Sétois. Et donc après deux services ratés pour les Sétois, Mistoko, je pense qu'il a... Ah ben, en plus, il va avoir le temps mort. Comme ça, Patrick Dufault va pouvoir lui dire s'il prend un risque ou bien s'il essaie d'enrouler un petit peu. Pour faire jouer le contre et la défense. À votre avis? On a baissé la pression. Je pense qu'il va rouler. On a baissé la pression. On s'est fait faire un petit 2 fois de suite. 3 fois de suite. Faire. Allez. On a retrouvé la pression. L'agressivité de Laurent Tilly, il essaie de la faire passer aux joueurs. Il sent bien que ses joueurs sont un petit peu en difficulté puisqu'on en est à 23-20. Et Madame Tilly, elle a toujours confiance. La première supportrice de la SCAN. Toujours avec le maillot de son mari en équipe de France. Le maillot rouge, ils sont rares ces maillots rouges parce qu'on le sait, les Français n'aiment pas trop jouer avec le rouge. Et vous savez quoi? Eh bien les Françaises ont joué avec du rouge, pas le maillot mais le short, hier. Et elles ont battu les Belges, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps au tie-break. Donc finalement le mauvais présage du rouge est peut-être en train de s'arrêter. Et là Redwitz, un peu trop gourmand. Ah oui, parce que je vous avais dit que Juno allait sûrement enrouler, ça n'a pas été le cas. Le ballon qui revient directement du côté, c'est toi, pour pratiquement avoir une balle de 7. Et Redwitz qui met sa première main dehors. Et Duflo. Service très court de Marc Schalke. La réussite est sétoise parce que le ballon est gratté, la passe n'était pas dans le temps. Et malgré tout, Konechny arrive à mettre le ballon dedans, balle de 7 pour l'Arago de 7. Avec cette coupe tant convoitée, le trophée du futur champion de France, le futur participant à la Ligue des Champions, Pico Pessel. De Marek, Alden qui n'a pas osé frapper vraiment. Les joueurs de l'ASCAN qui retardent un petit peu l'échéance, mais ce n'était que la première balle de 7. Un moment difficile pour Laurent Tilly et les siens. Allez, pour Castard, ballon touché. Vandal. Novotny pour attaquer. Redwitz pour Castard qui frappe. Non. Alors du côté de 7, on disait ballon touché. Ça n'a pas été l'avis des arbitres. Il me semble effectivement que ce ballon ne l'était pas touché. Ouais, c'est toi qui se remettent sous pression alors qu'ils avaient tout pour finir ce set. La SCAN est encore debout, un peu à l'image du deuxième set lors de la finale. Allez, tranquillement. Hey, arrête, même principe que tout à l'heure. Si c'est une bombe, on la garde, on essaie de construire. Hein, s'il enroule comme il fait là, la mène parfaite. Vite en fixe, un petit peu. Et toi, t'as un petit peu en retard. J'ai fait ça, un petit peu en retard sur la prise. Hein, d'accord. Allez, les gars, tranquillement. Solide à la tête. Hein. C'est pour nous. Allez. Vous avez entendu Raphaël Redwitz qui dit avec son accent « C'est pour nous !» Je ne sais pas si c'est pour eux, mais en tout cas, évidemment, ils n'en sont pas loin. Alors, le service de Jason Alden.
Il est dehors. Alors ça c'est ça coûte cher. Sur la deuxième balle de set, Jason Alden qui sort ce service et qui permet à l'Arago de mener 2-7 à rien. Gérard, on avait dit que les Canois avaient grillé leur joker. C'est fait sur un match. Cette fois, c'est terminé. Ils n'ont plus droit à l'erreur. Il faut que les Canois gagnent le set qui va venir. Il y a également la mémoire parce qu'en championnat, ici, dans cette même salle, les Sétois menaient 2-7-0 et les Canois sont revenus à 2-2. Donc ça veut dire qu'il y a encore, sûrement, dans le discours de Laurenti pendant le temps mort, quelque chose à dire pour donner l'envie aux Canois de revenir. Tout ça à découvrir juste après la pause, dans quelques instants, en direct sur Eurosport. A tout de suite. Où est ton portable ? Allô ? Allô ? Allô ? Bienvenue chez Orange. C'est ma fille, elle a encore perdu son portable. Votre fille ? Oui, je voudrais un portable tout rouge avec que des touches étoiles. C'est possible ? Les touches étoiles, c'est pour appeler la nuit avec les étoiles. Vous avez quoi comme chanson ? Une souris verte. Je l'attrape par la queue. Vous avez des vidéos avec ? N'hésitez pas, nous serons toujours là pour vous. Golf en un peu plus grand. Nouvelle Golf Plus, l'autre dimension. Imagine Fiona à la découverte d'un nouveau monde. Un monde où l'on peut tant apprendre. On l'imagine sous un tonnerre d'applaudissements. S'épanouir et tenir les tout premiers rôles. Chez Microsoft, c'est son potentiel qui nous inspire. Et nous créons des logiciels pour lui permettre de l'exprimer. Bien sûr, d'accélérer le jeu avec une faute. Ah oui, faute indiscutable. L'arbitre qui essaye de faire reculer le mur, on essaie de se dépêcher, bien sûr, d'accélérer. Qu'est-ce qui se passe ? Le Newman ! Oui ! Ah là, je... Ah oui ! Est-ce qu'on peut me dire ce qui se passe ? Ben oui, ça, ce sont les programmes en plus de Canal Plus Sport. Plus de NBA, de Top 16, de Champions League, en qualité numérique, Canal Plus Sport, vive encore plus de sport. Une chaîne de Canal Plus Le Bouquet. Le Palais des Sports, André Henry, pour la finale retour du championnat de France. Et à mes côtés, notre analyste expert, merci, Philippe. Merci. Première impression après ces deux premiers sets. Ben moi, l'impression, c'est que pour le moment, l'Arago a l'air sûr de son jeu. C'est vrai qu'il y a eu dans ce deuxième set avec Barca Sizic et puis surtout la rentrée de Novotny, un sursaut de canne. Mais c'est vrai qu'on a senti que l'Arago ne s'affolait pas, continuait à bien jouer. Je pense que Redwick est en train de très bien gérer le jeu offensivement du côté de l'Arago. Et pour le moment, la dynamique est de leur côté. Alors j'ai une petite question un peu plus franco-française, parce qu'on le sait, vous surveillez plus particulièrement les joueurs qui vont vous accompagner dans les différentes campagnes de l'équipe de France. On a vu un Ludovic Castard plutôt très à son aise durant cette partie pour l'instant. Oui, c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, l'Arago a commencé bien le match, alors que c'est vrai qu'elle a souvent des difficultés un petit peu à rentrer vu l'enjeu, mais là aujourd'hui elle a bien commencé. J'ai vu Ludovic Castard qui de temps en temps sur Ballot est allé chercher tranquillement la main extérieure. Donc tout ça, ce sont des bons enseignements, parce que c'est vrai que c'est un match important pour eux, c'est la première finale et il arrive à bien gérer. Au niveau de la réception, même s'il le vise beaucoup, il le cherche, il est relativement stable, même s'il a pris un ou deux aces dans l'intervalle avec le libéro, mais c'est vrai qu'il est en train de faire une belle finale. Alors une dernière question. C'est une situation que vous connaissez, une première rencontre perdue, 2-7 perdus là, c'est quand même compliqué. Est-ce que ça veut dire que l'entame du troisième set sera très très importante ? Oui, je pense que du côté de Cannes, c'est vrai qu'il faut dès le début trouver ce sursaut qui va dire bon, là on est c'est la dernière limite, de toute manière là il reste un set, on a fini l'aventure, ou alors on le gagne et on repart. Et c'est vrai qu'il va falloir sentir peut-être un Cannes
collectivement plus hargneux, plus envie de réussir et pas s'arrêter là, lors de ce troisième set, parce que sinon l'Arago risque de remporter cette finale. Bon, ben merci Philippe, on va regarder merci. Ça avec beaucoup d'attention. Gérard, de votre côté, je vous propose de nous décortiquer, comme vous savez si bien le faire, les statistiques. Alors les stats du second set, vous voyez le premier chiffre, là, 15 attaques pour 7, c'est toujours 7 qui a l'avantage. 3 contre 1, également meilleur contre. Un ace à 0, au niveau des fautes c'est à peu près pareil, 9-7. Ce qu'il faut dire sur ces attaques, c'est que si l'Arago arrive à attaquer, à mettre 15 points à l'attaque, c'est qu'ils ont un système de contre-défense qui est très performant. Donc les Sétois relèvent les ballons, relancent, ont plus de possibilités d'attaque, marquent davantage de points. Et en marquant davantage de points au volley-ball, on gagne les 7. Et c'est ce qui arrive aux Sétois en ce moment, puisqu'ils mènent 2-7 à 0. Ah ben là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Merci Patrice. Plus on marque de points, plus on a de chance de gagner les 7. J'ai un petit bonjour à passer, Patrice, allez-y, s'il allez-y. Vous plaît. Parce que le secrétaire emblématique du club de 7 s'appelle Adrien Payol. Il est actuellement dans l'Ariège. Il n'a pas vu le match aller, mais il regarde Eurosport. Et donc, c'est quelqu'un qui était là dès le départ en 1966 avec l'Arago. Et il faut saluer ce grand bonhomme de la vie associative, du bénévolat. Et donc, on salue en même temps tous les bénévoles qui œuvrent dans tous ces clubs en France, dans le volley, dans tous les autres sports. Merci Adrien. Et vous le voyez, on a sorti les débardeurs. Vous le rappeliez, Gérard, c'est l'été sur la croisette. Et c'est vrai que les vacances ne sont pas loin pour certains des joueurs, pour certains seulement, parce que dès lundi, Gérard, vous repartez en campagne, direction Beauvais, pour une série de 2 matchs amicaux. Voilà, et donc stage toute la semaine à Beauvais, avec l'aide de Joël Thibault, le président du club de Beauvais, et la campagne elle repart donc avec de l'entraînement, et puis 2 matchs contre la Slovaquie samedi et dimanche prochain à l'Élysée Space à Beauvais. Venez nombreux, vous verrez la nouvelle équipe de France avec son nouveau maillot, avec le nouveau maillot, et il est adapté à l'été celui-là aussi. Ah, il est d'accord. Adapté à la saison d'été, c'est vrai. Et puisqu'on parle de ça, eh bien, on se retrouvera à la fin du mois de mai pour la Ligue mondiale, et c'est promis, il y aura des maillots de l'équipe de France dédicacés à gagner. Donc soyez au rendez-vous, parce que ça va toujours la peine d'avoir un collector, un petit maillot dédicacé des joueurs de l'équipe de France. On aura l'occasion de vous en reparler. Voilà, début dans quelques secondes du troisième set, évidemment décisif. Raphaël Redowitz pour entamer cette troisième manche. Novotny, Philippe Arkacizik. Et Philippe Blin nous disait tout à l'heure, hein, il faut sentir collectivement plus de percussion côté AS Kan. L'AS Kan qui a démarré avec Marek Novotny dans le 6 de départ, donc le tchèque est resté dehors. Menon et Novotny. Redowitz. Novotny, oui. Il a trouvé la faille face à Stanek. Les mains, c'est toi ce qui n'était pas assez offensive. Regardez, on va le voir, elles ne sont pas assez de l'autre côté, vous voyez. Et donc, cette ouverture, Novotny en a profité. Philippe Arkacizik. Aïe, 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 aïe. Ouais, vous parliez d'agressivité. Oui. Arkacizik en a manqué sur ce service. Lui qui a été si brillant lors du premier set à l'Arago, au Barou. Ludovic Castard, pour l'instant très brillant. Le Marek, belle attaque, mais elle est freinée. Possibilité de relance avec Juno Mistoko. Bloqué, block-out, et le point pour l'Arago. Et voilà, Mistoko qui a choisi de ne pas faire de faute. Vous avez vu, le ballon venait de derrière, donc difficile à attaquer. Il joue dans le haut des mains, pas très fort, et ça suffit. Dans tous les cas, au moins, il ne fait pas de faute. Et ouais. Puis, ce sont les Canois qui l'ont fait. Ouais, vous avez aperçu le masque pour Laurent Tilly. C'est vrai que ça se complique singulièrement. Juno Mistoko. Juno et Castar, pardon. Ouais. Pour ceux qui aiment les statistiques, hein, on vous le disait, si l'Arago venait à s'imposer, eh bien ça serait la première couronne pour 7. En revanche, ce serait la 8e pour la SCAM. Oh oui, ils s'en sortent très très bien les Canois là-dessus avec
Une bonne main de Jason Aldane. Exactement, la passe avec une main, il a été très très adroit. Ça fait sourire le passeur qui était Patrick Duflo. Voilà la passe de Jason. Elle est bien belle. Edwitz. Ils sont trois. Schalke. Oh, ça c'est bien joué aussi. Avec ce petit ballon poussé. Et je disais, ce serait le 8e pour Cannes. En fait, non, ce serait la 9e couronne pour Cannes. Parce qu'ils en ont déjà, ils en ont déjà 8. Un autre missile, une victime, elle s'appelle Loïc Lemarec. C'est pas bien méchant. Non, 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 il est solide, il en a vu l'autre. Regardez. Boum. Sam. Ça arrive vite. Partout, troisième set. Ouais, ballon contré. Oh, il y a Lemarec qui avait mis la main, qui avait tenté et réussi la course, sauf que personne pour reprendre ce ballon. Difficile aussi. Belle présence de Konechny qui surveille Jason Aldane comme le lait sur le feu. Alors qu'on voit au fond, là, Jean-Pierre Bello qui est en train de. Konechny. Aldane, Lemarec, Schalke, bloqué. Ouais. À Novotny, actuellement, c'est la bouée de sauvetage de cette équipe de Cannes. Tous les ballons qu'il a, il les transforme en point. Oui, parce que les canons essayent, hein, ça se voit, sauf que c'est compliqué hein, de finir les échanges face à ces toits. Ah, les toits font durer les échanges. 5 partout. Edwitz. Ballon défendu, mais rendu. Edwitz. Castard. Et la pipe de Ludo Castard. Ah, ça vient de partout. Ah oui, oui, oui. Ça vient de partout. On commence en bout de filet, balle rapide. On a la possibilité d'une balle rapide au centre. Regardez. Aldane se bloque. Derrière, l'ouverture, le boulevard pour Ludovic Castard. Et le carré des supporters cette fois qui n'en finit pas de sauter. Et paraît-il, il sautait déjà dans le bus. Hein, le bus qui faisait des hauts et des bas sur l'autoroute. Ouais, beau soutien de Philippe Arcasizic. Ouais, Schalke s'est touché. Castard. Redwitz. Juno Mistoko. Oh, aïe, 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 aïe. Quelle attaque de Juno Mistoko. Et là, attention parce que les Canois sont au bord du chaos. Et regardez le carré des supporters de 7. Et encore une énorme attaque de Juno Mistoko. Et ce malgré. Malgré la vigilance de Jason Aldane. Mistoko. Lemarec. Schalke, c'est bloqué. Oui, Schalke qui a bien suivi Marc Schalke, heureusement. Parce que sinon, ça allait revenir très vite. Ouais, Redwitz qui a essayé de pousser ce ballon dans le camp canois. Mais comme vous l'avez dit, et bien dit, regardez, on va le revoir. Marc Schalke est attentif. Il met la main et il va contrer Redwitz pour revenir à un petit point. L'expérience de Marshall. Aïe, 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 aïe. Là, ça va vite. Ouais, ça arrive très, très vite, vous le disiez. Patrick Duflo a un petit peu corrigé en disant à Konechny, monte plus vite, t'es en retard sur les fixations. Là, il n'était pas en retard. J'ai envie de vous dire, Gérard, qu'en ce moment, les Canons n'ont pas grand-chose à se reprocher. Hein. C'est 7 qui joue un ton au-dessus. Pas la hauteur, allez en face. Laissez-le attaquer au-dessus. Laissez-le attaquer au-dessus, d'accord. On prend la ligne, très bien. Et toi, ferme-moi à l'intérieur sans chercher haut. Mec en face. Ok. Et l'ouverture, attention. Ok. Allez, comme ça, on prend deux points. C'est là que ça tourne. Ah, on sent qu'ils sont marqués les Canois, mais bon, en volleyball, on a tellement vu de choses que ils vont essayer de revenir. Voilà, on parlait de la vitesse de Konechny, la voilà sur cette balle rapide et sur ce beau ralenti de David Coignard. Les équipes d'Objectif Sud. Alors, premier temps mort technique effacé. De toute façon, l'objectif est au sud. Hein. Que ce soit l'Arago ou la Escan, le titre restera un an dans le sud de la France. Pico Pessel. Réception difficile, mais
bon coup d'œil de Le Marec et surtout ouais, beaucoup de réussite là, hein, de la part de Loïc Le Marec, le ballon qui revenait directement de l'autre côté, un peu de précipitation du côté sétois parce que Redwitz tout à l'heure aurait pu relancer et reconstruire tranquillement, là Castard aurait pu relancer et reconstruire tranquillement, en voulant aller un petit peu vite, finalement ils se mettent en difficulté. Il faut savoir être patient. Mathieu Labadie le disait tout à l'heure en temps mort. Soyons patients. N'essayons pas de faire les points trop vite. Laissez-toi confondre un peu vitesse et précipitation, même s'ils sont toujours devant. 9-7, troisième manche, elle est importantissime. Cette troisième manche, Konechny qui s'enflamme un petit peu. Ah, ça va pas être facile de toute façon dans la tête des Sétois, hein, parce que... Oui, il y a un moment, ils vont se dire, on n'est pas loin de ce titre. Hein. Ça va un peu crisper les bras, ça va converger un petit peu. À moins qu'il y ait une grande avance, mais sinon... Persizik, Mistoko qui a défendu, Stanek, ouais. Effectivement, ballon accompagné. Stanek qui a peut-être même doublé d'ailleurs parce que on va regarder ça. Je vous vois dodeliner de la tête Gérard. Oh non, je... Si vous dodelinez. Oui. Et c'est la première qui siffle Monsieur Bakouti. Redwitz. Castard, qui attaque à côté. Ben c'est exactement le syndrome évoqué précédemment. On a vu Redwitz un peu moins patient, un peu plus brouillon. Et on vient de voir Castard un petit peu dans le même registre. Et voilà Cannes qui repasse devant à 19. Avec au service Loïc Le Marec. Pico Pessel, Redwitz. C'est défendu. Non. Ragondet avait bien tenté. Mais rien à faire. Il est monstrueux, ouais. Stanek ouais. Qui une fois encore hein, semble se désigner comme le bourreau des Canois. Regardez Menot qui arrive vite, hein. Stanek qui saute en même temps que lui, pourtant Le Marec a Menot dans son dos. Entre nous il en a la tête hein, un bourreau. Moi j'aimerais pas être la tête sur le bio avec Stanek la hache en main. Marcasizic, oui. L'éclair venu du poste de là-bas. Avec un beau renversement de Loïc Le Marec. Regardez, il avance et sa balle va très vite derrière. Ça fait que Barkasizic à l'intérieur, à la ligne. Et il a pris une belle ligne. Philippe Barkasizic, 11 partout. Oui, l'ace de Barquette pour redonner un point d'avance à la SCAN. Ah, on vous l'a dit, hein. C'est probablement la finale la plus ouverte de ces 5 dernières années. Et ça se confirme parce qu'à chaque fois, ça se joue sur quelques détails. Barquette encore, côté seul, Redwitz. Castard. Oh, quelle attaque de Ludo Castard. Alors qu'il avait très peu d'élan. Très peu d'élan parce que la passe était loin du filet. Il a attaqué pratiquement à 2,50 m du filet. Mais regardez. Il passe entre les deux contre qui sont pas assez homogènes. Barkasizic explose sous la puissance de l'attaque. Et on est toujours à égalité 12 partout. 12 partout. Tout le monde est encore debout. Castard. Les Canois qui ont hésité avec Marshall qui va attaquer finalement. Mais possibilité de relance côté Arago. C'est pas fini. Redwitz pour Juno Mistoko. Bloqué. Labadie, Redwitz, Castard, Ragondet. Oh, yo, Marshall qui attaque à côté. Ah, je pense qu'il a voulu chercher la main extérieure, c'était bien joué, mais a priori la main n'a pas touché. Regardez, il y a un tout petit passage et le ballon est à l'extérieur des limites du terrain. La ligne n'était pas loin, mais trop loin. Point d'avance pour l'Arago, 13-12. Ça a bien servi de la part de Castard. Chalk encore.
Non. Ouais. Je vous rappelle la règle, il avait le droit de jouer Gino Mistocco puisque le ballon était passé à l'extérieur de la mire. Exactement. Donc, s'il avait récupéré ce ballon en le faisant passer de nouveau à l'extérieur, ça veut dire que ses tours pouvaient continuer. Exactement. À jouer. Ça veut dire tout simplement que le ballon n'aurait jamais vraiment franchi officiellement le côté opposé. C'est la limite du filet. C'est défendu. Relance. Derrière, avec Novotny. Oui, c'est bien joué. Et la SCAN qui reprend un petit point. 14-13. Ils ont démarré le set un petit peu contracté. Ils sont en train un petit peu de se lâcher. Les Canois et Novotny est vraiment très précieux sur ces ballons chauds. Menot qui sert rapidement. Pico Pessel. 14 partout. Troisième set. Oui. Jason Alden, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, le Canadien. Bien décalé par la passe de Loïc Demarais. Pour marquer ce 15e point, alors qui pour virer en tête lors du deuxième et dernier temps mort technique de cette troisième manche. Marek Novotny. Ah oui. Ah ben c'est Cannes avec cet ace de Marek Novotny. L'homme a tout faire en ce moment du côté canois. Présent à l'attaque et présent également au service. On va écouter. On est Patrick un tout Dufour. Petit peu en dessous de, sur tout ce qu'on fait là depuis le début. On a eu l'occasion de faire le break, on a manqué d'agressivité sur cette balle. Depuis, on est un peu en dedans. On est un peu en dedans récep, on est un peu en dedans dans ce qu'on fait au bloc et on est un peu en dedans au service. Il faut remonter d'un cran les gars. Ne commencez pas à penser au score. Alors, à chaque fois vous vous regardez, putain. On ne pense pas au score, on s'en bat les couilles. On perd là, on fera un set après. D'accord. Positif les gars. La Rago de 7 qui on voit Alain Fabiani. La Rago de 7, j'allais dire, qui a toujours eu beaucoup de mal à jouer ces troisième set parce que le nombre de parties qu'ils ont mené 2-0 et qui sont allés au tie break, il y en a beaucoup. Donc c'est une équipe qui derrière peut-être se relâche un tout petit peu. Dans tous les cas, les Canons en profitent en jouant bien avec Marek Novotny. En particulier, Marek Novotny qui est au service, gagne à 16-7-14. Stocco. Ami Stocco qui réclamait un ballon touché. Attention parce que là, c'est un vrai break, 3 points pour la SCAN. Alors que vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a Philippe Arcassini qui a fait un petit coup de ménage. C'est incroyable, il faisait des points avec son service tennis flottant, il choisit de servir fort et il donne le point à Rago. C'est comme ça. On vous rappelle que Marek Novotny avait quasiment été privé de la finale l'an dernier, blessé à la main. Finale perdue face au TVB. Novotny, Novotny qui se rachète. Il en avait l'envie, le besoin pour marquer ce 18e point. 18-15. Avantage à la SCAN, mais avantage obligatoire. Hein. Sinon, la sanction, eh bien, c'est la disparition. Ah oui. Konechny. Il faut rester à 2 points. On voit les Sétois qui restent ensemble, qui parlent beaucoup, qui communiquent, qui communient presque. Ouais, ils veulent aussi couper le rythme un petit peu de l'équipe canoise, donc ils ralentissent un petit peu les échanges. Coupé seul. Il est par Kassizik, oui. Il a trouvé l'ouverture pour marquer le 19e point. Oui, et puis si le contre, c'est toi, c'est vrai, a dominé les deux premiers sets, là on en voit un petit peu moins. Hein. D'ailleurs, on le verra sûrement sur les statistiques. Et donc, les Canons en profitent. Là, par
contre, deux erreurs de suite pour les Canois. Et ça, ça fait jamais plaisir aux supporters. Ouais, je sais pas pourquoi ils se mettent sous pression, parce que actuellement c'est plutôt l'Arago de 7 qui a la pression. Ah, ballon freiné. Konechny. Redwitz. Oui, eh oui, eh oui. Faut pas que Juno Mistoko serre trop fort Raphaël Redwitz parce qu'il. Ouais, ballon freiné au compte. On relance les Sétois, point de Mistoko. Et c'est toi qui reviens à un petit et point. Oui, et là, de nouveau, énormément de pression sur les Canois. Les Canois en danger. Laurent Tilly le sait. On va chercher un homme d'expérience en la personne de R. Meneau. La réception a été parfaite, la passe aussi et l'attaque. Bien. Loïc Lemarais qui va servir alors que Juno Mistoko regarde ça avec beaucoup d'attention. Je laisse la réception Redwitz pour Juno Mistoko justement. Quelle attaque de Juno. Non, rien à faire. Trop puissante cette attaque. Même si Marchalk nous a fait une petite course d'obstacle là. Ah, l'espace est très très étroit pour les Canois en ce moment. L'oxygène se fait rare. Ouais, Redwitz qui n'avait pas raté un service depuis le début, qui avait mis souvent en difficulté la réception. Oui. Il sent qu'ils sont proches, il force un petit peu plus le bras et donc il fait faute. C'est ça aussi l'expérience des finales. Du Barcassizic. Ah oui, belle attaque de Castard. Castard hein, qui continue. Hein. Toujours impeccable. Point d'écart simplement 21-20, c'est plutôt 20-21, parce que c'est l'Arago qui est au service. Schalke, blockout, le point pour la SCAN, le 22e. Ah, ça devient difficile hein, de respirer. C'est pas fini, Loïc Lemarec. Abadi, Redwitz, Staniek, c'est défendu. Il y en aura encore une. Ouais, oh, c'est encore défendu. Oh, la deuxième lame. Alors que Monsieur Rachard indique qu'il y a une faute côté Arago et que le point, a priori, est donné aux Canois. Ouais, avec cette attaque de Juno Mistoko, a priori, Monsieur Rachard a vu qu'il avait touché le filet sur l'attaque. Et le point pour la SCAN à 23-20. On va regarder ça. Oui, oui, bien vu, Monsieur Rachard. Exactement. Tout à fait. Fin du geste, il a voulu taper tellement fort qu'il a touché le filet. Fagnon rouge et blanc ont retrouvé le sourire même si rien n'est joué. Cannes s'est donné un tout petit peu d'oxygène là pour espérer emmener ce match dans une manche supplémentaire. Oh, Pico Pessel, je sais pas comment il avait ça hein. C'est une attaque derrière la tête hein. Ouais, parce qu'ils avaient fait une combinaison pour faire une attaque un petit peu plus courte vers le centre du terrain et comme il a été lobé par le ballon il a attaqué derrière la tête. 23-21, peut-être balle de 7 pour Cannes à l'issue de cet échange. Il prend pas de risque, il fait jouer. Oh, le bloc ouais. Le bloc de Konechny. C'était l'homme à tout faire jusqu'à maintenant, Marek Novotný, et sur cette balle, il se fait contrer. Et tout de suite, et Laurent qui coupe parce que c'était son arme maîtresse, Novotný, et s'il doute, ça peut être dangereux pour Cannes, 23-22. Un rebondissement de plus.
Et on appuie léger. Allez. Porte avant, ouais, c'est ça. Hein, ça. Porte avant et on accélère. Le Marek va donner le ballon. Il y a Marshall qui est à gauche, alors qu'on voit la famille Cohen, Madame Johan Cohen, et puis la sœur de Johan. Alors il y a Novotny, Alden et Marshall. Un point d'écart simplement. Schalke, le point pour la SCAN. il y avait Lanty qui était prêt à se précipiter sur Monsieur Rachard parce que. Il n'était pas sûr de sa décision. Alors, balle de 7. Balle pour survivre pour la SCAN. 24-22. Novotny. C'est défendu. Novotny pour Marshalk. Oui, aïe, 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 aïe. Il est malin, Marshalk. Parce que ce ballon était très difficile à jouer et il a su trouver quasiment la seule possibilité pour transformer ce ballon impossible en balle de 7. Résultat, eh bien, Kahn est toujours debout. 7 a toujours l'avantage. Le titre, eh bien, est toujours à disputer entre ces deux formidables formations. On va reprendre nos esprits, Gérard, et puis on se retrouve juste après ça pour le début du quatrième set. À tout de suite. Julien, je t'ai promis la voiture de tes rêves pour tes 18 ans, tu t'en souviens? Alors regarde. Suspension, amortissement piloté, IDS+, moteur diesel à rampe commune, 1900 CDTI, 150 chevaux, phare directionnel, adaptif, big xénon, pare-brise panoramique. Alors Julien, qu'est-ce que t'en dis? Mais en attendant tes 18 ans, c'est papa qui en prend soin. Nouvelle Opel Astra GTC. Français de l'étranger, vibrez sur tous les buts et faites le point grâce aux analyses de nos spécialistes. Eurogoals, lundi 19h sur Eurosport. Que d'émotions sur Eurosport avec les pneus Continental. La réponse technique de Marc Schalk à la muraille sétoise. Il s'en sort avec beaucoup de malice. Marc Schalk permet aux siens eh bien, de rêver encore. Le score 2-7-1. On va tout de suite jeter un coup d'œil sur les statistiques de ce troisième set, Gérard. Oui, vous voyez, des statistiques plus équilibrées. Kahn qui est passé devant au niveau de l'attaque, ça veut dire que le contre de 7 peut-être fonctionne un peu moins bien, même s'ils sont devant, 3 contre 1. Les services, c'est toujours Kahn qui a l'avantage. Par contre, c'est 7 qui fait un petit peu plus d'erreurs que Kahn. 7 a fait 6 erreurs, le dernier chiffre en bas à gauche. Kahn n'en a fait que 4 erreurs. Ça veut dire que les Sétois aussi, quand ils ont senti qu'ils pouvaient gagner le match, ben, ils ont un petit peu forcé sur leurs bras et puis ça s'est traduit par des erreurs. Alors, est-ce que cette expérience dans ce set va leur servir en suivant? On va le savoir tout de suite. Oui, on le disait, hein, les